Voici un site intéressant, Dictanote, qui propose donc de dicter ses notes directement en ligne. Vous avez donc un éditeur, enfin, pardon, un bouton audio qui permet de s'enregistrer. Je prends des notes à la ligne. Voilà, j'écris, etc. On peut écrire, donc utiliser aussi l'éditeur de texte. On peut partager ces notes. Are you sure you want to make the phone not public? Make public. Voilà. On peut rendre public ces notes. Donc si on clique là-dessus, on a un lien pour rendre public ces notes. Et donc ce lien peut être donné, partagé à un tiers. Ensuite, shortcut, ben c'est tous les raccourcis clavier pour utiliser l'éditeur audio ou l'éditeur tout court. Support, ben ça c'est bon, pour eh bien, apparemment exporter des notes sur un drive. Non, ça c'est plutôt pour par rapport les feedbacks pour améliorer l'outil. Là, c'est pour sûrement commencer, etc. Et donc, on peut avoir un répertoire de notes. Non, ça, c'est plutôt une fonction premium. Delete note, enfin, etc. On peut l'avoir en plein écran. Bon, c'est quand même, ça, c'est sûrement pour sauvegarder. Voilà, c'est extrêmement simple. Et je pense très pratique, surtout que la reconnaissance vocale fonctionne dans plein de langues.